On a toujours le pif puis les intuitions de M. Legault, mais on n'a jamais de chiffres. Combien de gens n'ont pas eu la COVID parce qu'ils ont imposé un couvre-feu pendant le temps des fêtes? Combien de gens n'ont pas la COVID aujourd'hui parce qu'ils sont en train de foutre les restaurants en faillite en les fermant pour une quatrième fois? Combien de gens n'ont pas la COVID au Québec parce qu'on a fermé les cinémas pendant les semaines les plus payantes de l'année? Si les mesures sanitaires étaient si efficaces que ça, on aurait le meilleur bilan, pas le pire. Vous l'avez entendu, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, aujourd'hui demande donc la levée de toutes les mesures sanitaires. Ses appuis sont en hausse, selon un sondage Léger publié ce matin. Il a gagné quelques points, 6 points depuis décembre. C'est mon invité ce soir, Éric Duhaime. Bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir, Mme Dussault. Et cette demande de lever les restrictions, les mesures sanitaires, est-ce que c'est responsable à ce moment-ci, au moment où le système de santé croule? Bien, écoutez, le problème, de plus en plus, on le voit, le problème majeur au Québec, c'est notre système de santé, beaucoup plus que le virus. Hein. Ce que je réclame aujourd'hui, là, c'est exactement ce que le Royaume-Uni vient d'annoncer un peu plus tôt dans la journée, où ils vont lever justement les mesures sanitaires, où le masque ne sera plus obligatoire, où le passeport vaccinal va disparaître, où les gens vont pouvoir reprendre une vie normale, où le télétravail n'est plus encouragé. Donc, il y a un paquet d'États au sud de nos frontières, on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. Là, on a juste à regarder les matchs de la NFL ce week-end pour voir des 70-80 000 personnes entassées alors qu'ils ont un taux de vaccination deux fois moins que le nôtre. On a 280 quelques personnes aux soins intensifs, même 300 quelques. On met 1 milliard de dollars par semaine dans notre système de santé, Mme Dussault, et on n'est pas capable de soigner 280 personnes ou 300 personnes. Le problème, c'est le système de santé, de toute évidence. Vous évoquez l'exemple du Royaume-Uni de Boris Johnson, qui fait cette annonce pour la fin du mois parce qu'il est en train de sauver sa carrière politique parce qu'on lui reproche d'avoir participé à des rassemblements illégaux. Ce que vous ne dites pas, par ailleurs, dans votre réponse en disant cela, c'est que c'est le pays le plus endeuillé. Hein? Il y a eu une gestion chaotique de la pandémie. Et que cette annonce d'aujourd'hui s'accompagne d'une campagne de vaccination massive. Oui, mais on est déjà l'endroit le plus vacciné, Mme Dussault. Les Québécois ont été très dociles et obéissants. On est ceux qui se sont le plus fait vacciner. Et malgré ça, le gouvernement continue à nous imposer les mesures les plus liberticides. C'est ici où on respecte le moins les droits individuels, les droits de la personne. C'est ici où la démocratie est en pause depuis 2 ans. Et on voit qu'il y a une écœurantite aiguë dans la population. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens. On est 47 000 nouveaux membres au Parti conservateur. Il commence à y avoir une grogne. Et M. Legault, vous l'avez parlé, ces chiffres dans les sondages commencent à descendre. Il va un jour qui soit à l'écoute de la population. Là. Il y a des restaurateurs qui menacent même d'ouvrir leurs portes dans les 4 prochains jours illégalement. Il n'y a plus de cohésion sociale. Revenons sur les mesures sanitaires avant de parler des restaurants, pas moins que vous les incluiez là-dedans. Les mesures sanitaires, c'est le masque, la distanciation sociale, se laver les mains. Donc, on a ajouté aussi la distanciation, mais aussi le moins de contacts possible. C'est dans cet esprit-là qu'on veut freiner l'Omicron, qui est extrêmement transmissible. Donc, c'est ces mesures-là que vous remettez en question, même le masque. Il y en a d'autres. Là. Non, je parle du passeport vaccinal. Oui, vous pouvez parler du passeport vaccinal. Non, je vous pose une question. On va y aller graduellement. Alors, ma question, c'est le masque. Le masque, d'abord. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, je vais vous le répéter, c'est qu'il faut y aller graduellement, évidemment. Mais les premières mesures, quant à moi, qui doivent partir, c'est de permettre aux gens de recommencer à socialiser. Je pense que c'est important que les gens puissent recevoir leur famille, leurs amis à souper. C'est important de réouvrir les restaurants. C'est important d'éliminer le passeport vaccinal parce que c'est un outil discriminatoire et on n'a aucune évidence scientifique que ça a un quelconque impact. C'est tellement vrai, Mme Dussault. Mais sur quel sens vous appuyez-vous? Je vais vous le dire. Oui. Mais je m'appuie sur la science que si ça fonctionnait, le passeport vaccinal, M. Legault n'aurait pas tout fermé tous les endroits où il n'y avait que des gens qui montraient leur passeport vaccinal. Si le passeport vaccinal éliminait le risque, comprenez qu'on n'aurait pas fermé les endroits où il y a juste du monde qui rentre avec un passeport. Certains réclament dans l'économie davantage de possibilités d'imposer le passeport vaccinal. Je pense à la Fédération des chambres de commerce. On veut justement... J'ai vu les quincailleries qui ont fait le contraire aujourd'hui. Oui, aussi. Mais il y a des gens, la Fédération des chambres de commerce et d'autres qui demandent le passeport vaccinal pour protéger. Oui, alors je reviens avec mon point de départ. Sur quelle science vous appuyez-vous pour dire que les mesures sanitaires ne sont pas efficaces? Puis je vous donne l'exemple du masque. On vous a vu hier avec Anne Cazabonne, bras dessus, bras dessous, pas de masque. On peut voir la photo même. Quel message ça envoie? C'est qu'on peut éviter la distanciation, qu'on peut ne pas porter le masque?
Madame Tussaud, vous me demandez c'est quoi la science derrière ça. Moi, je vais vous répondre par une question. C'est quoi science derrière... laissez-moi juste répondre. C'est quoi la science derrière les employés de la SAQ et de la SQDC qui ont été... où on oblige le passeport vaccinal depuis 48 heures, alors que ces employés-là se font dire, vous avez le droit de travailler même si vous êtes pas vacciné, mais vous n'avez pas le droit d'acheter une bouteille de vin. Donc, vous pouvez parler à des clients, mais rentrer et acheter une bouteille de vin, ça, vous n'avez pas le droit. Il y a des incohérences, puis là, les Québécois en ont souper de ces incohérences-là, Mme Tussaud. Alors, puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens, vos téléspectateurs, qui comprennent ça. Je vais vous soumettre le sondage de ce matin de Léger sur... parce que vous êtes un grand mécontentement. Oui, peut-être un mécontentement. Vous semblez canaliser ce mécontentement-là, notamment sur les mesures sanitaires. Moi, je fais la différence entre les mesures sanitaires puis le vaccin. On va y venir au vaccin pour passeport vaccinal. Voyez-vous, ce matin, là, les taux de... D'abord, M. Legault est très populaire. Le taux de satisfaction est à 60 %. 67 % appuie la mesure pour la SQDC et la SAQ. Pour la vaccination obligatoire, elle ne l'est pas encore, là, 65 %. Qu'une taxe santé, 61 %. Couvre-feu, même si, là-dessus, plusieurs vous concéderaient que la science n'a pas rien à voir avec ça, 49 %. L'idée, c'est d'empêcher les contacts. Donc, ce que vous dites, c'est faux. Quand vous dites que c'est généralisé puis qu'il y a une dictature de la majorité, là, ce sondage-là montre qu'il y a un appui. Madame Dussault, vous ajoutiez aussi, vous savez comme moi, quand on analyse les sondages en politique, il faut regarder d'abord et avant tout les tendances. Ce qu'on remarque, c'est une dégringolade de plus en plus prononcée de M. Legault. Bien, 4 % Non, 4 % ça, c'est les intentions de vote, mais sa satisfaction a baissé de 15 % Madame Dussault. Il est encore le meilleur au pays, M. Duhaime. Il est rendu deuxième. Il a été le meilleur pendant 2 ans, mais il est derrière la Colombie-Britannique depuis quelques semaines. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça est en train de... À un moment donné, là, on arrive à une écœurantite aiguë. Les Québécois, là, on est très bons, bonasses, mais à un moment donné, on s'écœure. Et là, je pense qu'on est rendu au point de bascule. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié le 31 décembre dernier se faire écœurer sur leur cellulaire pour se faire rappeler qu'on avait un couvre-feu. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde qui était furieux après M. Legault. Beaucoup plus que de gens satisfaits de ça. Alors, j'ai lu que vous aviez déclaré que, dans le fond, au Québec, on a aboli le fund. On n'a plus de fun au Québec. C'était comme si c'était au centre de votre programme politique. Est-ce que c'est décent comme programme politique de dire écoutez, on n'a plus de fun au Québec? Madame Dussault, en tout respect, là, les gens, là, il y a des choses qui sont essentielles dans la vie. Le gouvernement et des fonctionnaires ont décidé qu'il y avait des gens... Il y avait des gens pour qui leur emploi est essentiel, puis il y a d'autres gens qui ne sont pas essentiels. Ils se sont fait dire que leur job, là, c'est pas essentiel. Ils se sont fait dire ça par des politiciens qui n'ont jamais perdu une scène, qui ont eu un laissez-passer pour ne pas être obligés de respecter le couvre-feu et qui, en plus, à qui on ne demande même pas le passeport pour rentrer à l'Assemblée nationale alors que c'est les seuls. C'est facile de dire aux gens, faites quelque chose, puis nous, on est au-dessus des lois, puis on fait ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Ouais. À un moment donné, là, il faut que les élus comprennent au Québec qu'il y a un mouvement qui est en train de naître et c'est pas sain. La division de la société québécoise, Madame Dussault, c'est pas quelque chose de positif. Le rôle de premier, c'est de rassembler son peuple, pas de le diviser. Oui, mais quand même, est-ce que vous nourrissez pas la haine? Est-ce que vous nourrissez pas justement cette division? Pourquoi ne mettez-vous pas autant d'énergie à plaider pour la vaccination qui, pour la planète entière, c'est la solution? Il y a un bout de chemin à faire. Parce que les non-vaccinés occupent encore 50 % des lieux aux soins intensifs et ils sont à risque pour eux-mêmes, sont à risque pour les autres. Alors pourquoi ne pas déployer autant d'énergie à plaider pour envoyer les gens se faire vacciner que de demander seulement la levée des mesures sanitaires? Moi, là, je suis un démocrate. Pour moi, les droits fondamentaux, les droits civiques, c'est fondamental. Moi, j'ai jamais pensé vivre dans un État où, depuis 2 ans, on a mis la démocratie sur pause. Je pensais jamais vivre dans un État où on refuserait à des gens d'entrer dans des endroits et des commerces. À chaque fois dans l'histoire de l'humanité, quand on a discriminé de cette façon-là, Mme Dussault, vous le savez mieux que moi, ça ne s'est jamais bien fini. Alors, la discrimination systémique qu'on est en train d'instituer, la division alimentée par un chef d'État, c'est inacceptable, Mme Dussault. Bien, vous nous parlez comme si on était en Chine. On va faire entendre 2 experts qui ont parlé sur nos ondes depuis 2 jours. Je vais vous demander de réagir. Je vais vous demander de me révéler qui sont vos conseillers scientifiques. On écoute Dr Duong et Dr Tremblay. Pour ceux qui pensent que c'est Omicron, c'est juste un rhume, c'est faux. Il faut vraiment s'enlever ça de l'idée. Omicron peut causer une maladie aussi grave que Delta. Et ça va être particulièrement vrai chez les non-vaccinés. Je pense que tout le monde peut faire sa part. Quand vous vous faites vacciner,
Quand vous limitez vos contacts, vous diminuez le poids qui est exercé sur le réseau, puis directement, vous sauvez des vies, rien de moins que ça. Et vous vous affichez avec une candidate qui est anti-vax, qui a tenu des propos que je ne répéterai pas à l'antenne. Elle n'est pas anti-vax, là, Ben, elle madame. a dit que c'était une cochonnerie, que c'était une... Est-ce qu'elle elle est... C'était une satire inspirée d'un monologue qu'elle avait fait dans un film de Pierre Falardeau à titre de comédienne. Est-ce que vous lui avez demandé d'effacer ses tweets ou Non. ses posts Ce qu'on a en tout fait, ça? comme elle a expliqué lors de la conférence de presse, c'est qu'elle a mis sur repose pendant quelques jours ses réseaux sociaux parce qu'on a créé une nouvelle page. D'ailleurs, je pense qu'on est rendu à 17 ou 18 000 personnes qui l'ont joint parce qu'on voulait canaliser là, toutes les personnes conservatrices qui joignaient et qui voulaient s'intéresser à Mme Casabonne d'aller sur le nouveau réseau social qu'elle a créé. Est-ce qu'elle est vaccinée? Écoutez, vous savez comme moi, vous savez très bien qu'elle a choisi de ne pas répondre à cette question-là. Et moi, je l'appuie dans cette décision-là. Moi, j'ai parlé de ça. Moi, j'ai dit mon statut vaccinal, comme vous savez, mais je respecte la liberté de choix. Et pour moi, c'est de l'information confidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Hein? Il poursuit même un média parce qu'ils ont révélé son statut vaccinal pour 1,8 million de dollars. On va laisser les tribunaux. Mais moi, je considère que c'est une information confidentielle. Est-ce que vous faites le plein des anti-vax dans votre camp, des complotistes, Absolument de ceux pas. Qui... Et ma question, je la J'ai deux questions en même temps, mais ça se rejoint, là. Pourquoi vous ne plaidez pas pour une vaccination encore pour la troisième dose, pour aller plus loin, pour qu'on atteigne encore un plus haut? Et aussi, c'est qui vos là, conseillers laissez-moi scientifiques? Répondre aux deux questions. Oui, c'est qui laissez-moi vos conseillers répondre aux trois scientifiques? Questions, là. Vous avez trois questions. Vous me parlez des complotistes. Est-ce qu'on est un rassemblement de complotistes et d'antivax? Juste vous dire que dans la région de Québec où je me trouve présentement, c'est une des régions les plus vaccinées de toute la province actuellement. Et ici, le Parti conservateur du Québec compte sur l'appui de 22 % de l'électorat, alors qu'il y a 6 % de non-vaccinés. À Montréal, qui est la région la moins vaccinée au Québec, il y a des quartiers où il y a même 40 % des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. On est à 2 % dans les intentions de vote. Donc, il faut faire attention aux amalgames, là. Ça serait dangereux dans ce cas-ci, là, parce qu'il n'y a pas de corrélation. Il y a même plus que les trois quarts de nos sympathisants qui sont doublement vaccinés. Pour ce qui est de la troisième dose, Mme Dussault, moi, je suis contre le passeport vaccinal à trois doses. Je suis contre le fait qu'on ajoute une troisième dose. Et la raison, c'est mon propre cas. Moi, j'ai attrapé la COVID dans le temps des fêtes et mon propre médecin me dit d'attendre 3 mois avant de me refaire vacciner parce que mes anticorps actuels sont supérieurs au vaccin. Et même la docteure Quach était sur vos ondes la semaine dernière pour dire qu'il n'y a aucun avantage et aucun bénéfice et que c'était inutile de le faire. Mais le gouvernement pousse parce qu'il veut rentrer son passeport vaccinal avant 3 mois. Et pour des raisons politiques, on est en train d'aller contre ce que les scientifiques nous recommandent. Trouvez-vous ça normal? Et ça, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est anti-vax parce que j'aime mieux écouter la science que la politique, parce que j'aime mieux écouter un médecin qu'un politicien? Mais c'est qui ça, vos la question conseillers scientifiques, alors? Bien, écoutez, mes conseillers scientifiques, je ne vous les révélerai pas parce que je vais leur parler avant s'ils veulent vous parler, mais ça va me faire plaisir de leur demander de vous appeler si demain, vous voulez leur jaser. Demain, parce Absolument. Que vous demandez de la transparence de la part du gouvernement, etc. Ah, vous allez en avoir, mais je ne veux pas. Je ne commencerai pas à donner leur nom sur les ondes avant de leur avoir parlé, vous comprenez? Et Anne Casabonne, avec les propos qu'elle a tenus, c'est une candidate crédible. Je peux vous dire, Mme Dussault, qu'aujourd'hui, il y a certains commentateurs et certains adversaires politiques qui trouvent qu'elle n'est pas crédible, mais s'ils avaient pu, ils l'auraient tous pris dans leur parti politique parce qu'Anne Casabonne, c'est une comédienne qui est aimée, adorée de tous. Et je peux vous dire qu'elle s'est déjà faite approcher et je peux vous dire que c'est une candidature qui, pour nous, est importante. Puis l'élection dans Marie-Victorin, c'est une élection très importante. Ça va être la première fois que les gens vont pouvoir se prononcer sur la gestion de crise de François Legault et le Parti conservateur va être présent. Puis Anne Casabonne va travailler très fort. Et si elle, comme il y a un intérêt collectif, M. Duong a parlé de solidarité, que le vaccin est important pour sortir de cette pandémie-là, on pourrait demander à Mme Casabonne de renoncer au fait qu'elle dit que ce soit privé, l'histoire du vaccin, et qu'elle plaide elle aussi en faveur du vaccin. Bien, écoutez, Mme Casabonne, elle a le droit de faire... Au Québec, là, on a toujours eu la liberté de pouvoir, oui ou non, s'injecter quelque chose dans notre corps. Et même, on dit qu'il faut que ça soit libre et éclairé. Et là, présentement, là, on n'est pas là. On est... Puis si le gouvernement veut aller au bout de sa logique, comment ça se fait qu'il n'y a pas un plan? Il n'y a pas mis la vaccination obligatoire, vous croyez? Bien, peut-être. On ne peut pas lui reprocher de respecter le choix des gens. Non, je ne lui reproche pas. Mais je lui dis qu'à un moment donné, là, faut respecter. Si on respecte la liberté des gens puis qu'on n'impose pas la vaccination obligatoire, bien, respectons-la jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de contradiction. En terminant, je vais vous citer Danny Turcotte,
qui a mis sur les réseaux sociaux hier une déclaration de vous de 2010. Vous l'avez vu, c'est certain. Les artistes peuvent être dangereux quand ils se prennent pour des scientifiques et influencent l'opinion publique. Madame Dussault, je pourrais sortir des entrevues que vous avez faites dans le passé avec une politicienne française, puis on pourrait en parler longtemps. Je suis très fier de l'entrevue qu'on vient d'avoir, Madame Dussault. Très bien. Bien merci, Monsieur Dion. On espérera d'autres réponses éventuellement. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.